Bonjour tout le monde. Comme vous l'avez sans doute vu, on est en plein dans la campagne hors service. On va en parler un petit peu aujourd'hui, mais principalement, là, on va se concentrer à parler des primes qui prennent fin le 30 mars parce que ça touche plusieurs travailleurs dans beaucoup de secteurs. Donc, ces primes et ces mesures-là qui prennent fin au 30 mars, là, c'est toutes des mesures qui visent l'attraction et la rétention du personnel dans le réseau. Fait que comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est les primes qui visent les ouvriers spécialisés, les psychologues, c'est des primes pour le personnel qui travaille dans les CHSLD ou auprès des personnes qui présentent des troubles graves de comportement. Il y a aussi les primes pour le personnel qui travaille dans le Grand Nord et il y a des fonds et des budgets dédiés, au développement de la pratique professionnelle pour les techniciens professionnels ou aussi pour, l'encadrement des personnes nouvellement embauchées en soins infirmiers et cardio-respiratoires. Plusieurs de ces primes-là qui prennent fin au 30 mars, là, ils ont un impact direct sur l'accès aux services, pour les populations vulnérables. Si le gouvernement voulait vraiment régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre en CHSLD ou en services sociaux, là, on s'entend qu'au moins ils maintiendraient qu'est-ce qui existe déjà. Mais là, c'est vraiment frustrant, là, aujourd'hui, je suis obligée de vous dire qu'on a reçu une réponse formelle du gouvernement comme quoi il ne maintiendrait pas les primes qui prennent fin au 30 mars. C'est d'autant plus frustrant pour les ouvriers spécialisés puisque le gouvernement, dans un rapport, recommandait le maintien de ces primes-là. Bon, il va y avoir une rencontre de prévue le 13 mars pour essayer de clarifier les intentions du gouvernement, notamment en ce qui a trait aux primes pour les personnes qui travaillent en CHSLD. On verra qu'est-ce que ça va donner. On va d'ailleurs en parler avec Luce Melançon et Guillaume Wilson-Patry, qui sont les membres du comité InfoAction de la FSSS. Bonjour, vous deux. Bonjour. Fait que toi, Luce, tu reçois personnellement une de ces primes-là? Oui, moi, je reçois la prime des troubles graves de comportement. C'est une forme de reconnaissance, en fin de compte, cette prime-là, pour le travail qu'on fait. C'est un travail qui reste quand même particulier parce que c'est dur physiquement, mais c'est aussi dur mentalement. Et puis, on a parfois peine à trouver des gens qui veulent vraiment venir travailler avec nous. La prime, dans le fond, c'est 195 $ pour 500 heures de travail, qui est une prime qui n'est pas très grosse, mais en même temps, c'est comme une petite claque dans le dos qu'on reçoit pour dire bravo pour ton travail, merci de rester, t'sais. Et c'est pour ça que c'est si frustrant de voir avec la pénurie de main-d'œuvre que le gouvernement décide justement d'abolir, de ne pas les reconduire, ces primes-là. Ben oui, c'est un peu la même chose. Là, moi, je travaille dans le Nord auprès des populations autochtones. Puis étant donné qu'on se retrouve souvent dans des contextes très isolés, dans des environnements difficiles, parfois hostiles même, ben, les établissements y versent des primes annuelles forfaitaires qui s'ajoutent aux mesures qui sont déjà prévues dans les disparités régionales. Ça, c'est pour évidemment attirer le personnel, mais surtout pour retenir le personnel qui est déjà en place. Fait que, tu sais, pensez-y, là, quand on quitte le Sud pour aller travailler dans le Nord, là, on quitte tout notre réseau social, notre famille, notre culture. Tu sais, on ne se le cachera pas, là, c'est difficile. Puis pour le personnel autochtone qui, lui aussi, peut bénéficier de ces primes-là, bien, des fois, c'est ça qui fait la différence entre continuer à travailler à la clinique ou bien aller travailler au conseil de bande ou à la mine. Donc, la fin de ces primes-là, là, c'est des milliers de dollars que les gens pourraient perdre. Puis ça, ben, c'est certain que ça va avoir un impact sur la rétention du personnel, parce qu'on l'a vu quand c'est arrivé en 2015 puis qu'ils ont été coupés, ben, il y en a une méchante gang qui sont partis. Fait qu'au final, là, ça remet même en question la capacité d'offrir des services de qualité aux personnes qui sont dans les régions nordiques. Puis c'est vrai aussi en ce qui concerne les mesures là, qui sont reliées au développement de la pratique professionnelle pour les techniciens professionnels ou aussi pour l'encadrement des personnes qui sont nouvellement embauchées en soins infirmiers et cardio-respiratoires. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais en plus, là, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse vient juste de déposer un rapport à l'Assemblée nationale dans lequel ils recommandent des mesures pour mieux soutenir les intervenants. Fait que c'est pas le temps de couper là-dedans, tu sais. Toi aussi, Guillaume, tu reçois une prime en CHSLD? Oui, comme on sait, là, en CHSLD, on a de la misère à attirer les gens. Cette prime-là, c'est une forme d'attraction puis de rétention. Au lieu que les gens puissent aller appliquer
au CH, dans d'autres secteurs, ou au CRDI, Centre jeunesse. Mais c'est une forme de pour attirer les gens, parce qu'on a de la misère à recruter puis que le monde reste en CHSLD. C'est une forme de reconnaissance, dans le fond, comme Luce disait tantôt. C'est un montant de 180 $ après une tranche de 750 heures. Puis je trouve ça inconcevable que le gouvernement agisse comme ça quand on est en manque de personnel. Puis de cette façon-là, on risque d'avoir encore plus de misère à attirer des gens en CHSLD. C'est vraiment incohérent, dans le fond, de la part d'un gouvernement qui répète sans cesse que sa priorité, c'est l'accessibilité aux services, en particulier pour les aînés. En tout cas, c'est clair qu'il faut agir vraiment maintenant de notre côté, là. Fait que c'est quoi le plan de match? Dans un premier temps, la CSN vient de lancer une pétition qui va être déposée à l'Assemblée nationale d'ici un mois environ. Alors, vous verrez, il va y avoir un lien pour signer la pétition de façon électronique dans le texte accompagnant cette vidéo-là. On veut que ça soit signé pas seulement par les gens qui perdent leur prime, on veut que ça soit signé par l'ensemble des travailleurs du réseau. Puis on veut que la population signe aussi pour dire au gouvernement qu'ils veulent garder la possibilité d'avoir des services de qualité. C'est ce que ça comporte. Il faut ramasser vraiment un nombre significatif puisque ça va être déposé. Puis on n'a pas beaucoup de temps, c'est dans quelques semaines seulement. Et puis on voudrait que ça oblige justement que le Conseil du Trésor soit interpellé publiquement pour qu'il puisse expliquer ces mesures-là quand il dit qu'on est en pénurie de personnel, qu'il veut nous aider et pourquoi il fait ça. Puis, on est à développer d'autres actions qui viseront à démontrer l'effet des mesures sur notre situation en tant que salarié. Il ne faut pas oublier qu'encore une fois, si on perd de l'argent, mais ça fait un trou dans notre budget, budget familial. Ça, c'est clair. Puis, il faut regarder les dernières négociations. Puis, celle-là, en ce moment, ils nous donnent toujours des augmentations sous l'inflation. Donc, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Donc, on va démontrer clairement ce que ça veut dire perdre du pouvoir d'achat à nos gestionnaires, nos PDG, les ministres. Le président du Conseil du Trésor, puis leur démontrer aussi que vivre paye par paye, là, c'est pas évident pour les salariés. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir prochainement dans un autre bulletin d'information. D'ailleurs, on va vous revenir rapidement avec des nouvelles suite à la rencontre du comité de négociation avec le CPN 3S là, concernant la fin des primes au 30 mars. Puis sinon, ben là, je vous invite à signer la pétition en grand nombre, partagez-la, participez aux actions qui vont se tenir pour le 31 mars, là, pour la fin des conventions collectives dans tout le secteur public. Il faut envoyer un message clair au gouvernement. C'est la fin de nos conventions collectives, bien, c'est la fin aussi de l'ère de l'appauvrissement. Alors, à bientôt.